Et de retour sur la Eclipsia TV pour le débrief de cette deuxième partie du championnat du monde. On a vu la victoire, les amis, attendue tout de même des TSM contre les SK Gaming. Ils sont là pour vous en parler. Twix et Domingo, vous avez regardé, vous avez shootcasté cette partie. Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de cette confrontation, cette première entre l'Europe et les États-Unis? Pas fameuse hein, pour l'Europe, pour le coup. C'est vrai que, bon, même si on pouvait s'attendre à un résultat plutôt du côté nord-américain à cause des changements qu'ont subi les SK Gaming à... Allez, un jour de la prise des Worlds. On s'attendait à une victoire des TSM, c'était à peu près unanime. Sur un surrender, quand même, pas tellement. Est-ce qu'on attendait justement une telle fessée de la part des TSM? Tu as l'air de dire que non, pas du tout. On ne s'attendait pas à une fessée, on s'attendait à une victoire qui allait prendre son temps, évidemment, contre des SK Gaming qui sont toujours d'habitude solides sur les laning phase, mais les TSM qui sont beaucoup plus forts et beaucoup plus agressifs, beaucoup plus avenants. C'est ce qu'on a vu particulièrement sur la middle lane. Donc, c'est, en même temps, c'est à la fois propre à SK Gaming de faire le surrender, etc. Ils l'ont déjà fait en finale de playoff et compagnie. Mais en même temps, sur une scène des Worlds, on serait attendu à peut-être un peu plus de vigueur. Est-ce que l'espoir est encore permis, Domingo, peut-être pour les SK Gaming? Sur les SK, ça va être compliqué. Hein. Ça va être, ils ont encore combien de matchs, attends? 5 Ils ont encore 5 matchs. Oui, 5 matchs, je faisais le calcul là. Et puisque tout le monde se joue deux fois, c'est permis. Après, c'est, je sais pas, je trouvais Jayzeez, en fait, qui est un midlaner assez nouveau, assez frais. On le voyait à ses débuts chez SK quand il jouait Gragas. Il a l'habitude un peu de ruiner, tu vois, c'était normal. C'est pas du tout la même expérience avec Bjergsen. Et on voit justement, à haut niveau, quand on est sur de la méta un peu placemaking, que tu peux vraiment te faire mettre au fond, en fait. Et c'est ce qui a été fait, tout simplement, par les TSM. Gros focus sur leur joueur placemaker. Jayzeez, ça a été le point faible. Orianna, derrière, ça sert plus à rien et ils n'ont pas de dégâts. Le point fort des SK Gaming durant la saison régulière, c'était peut-être le mental, justement, avec les Super Weeks qui se passaient plutôt bien, les playoffs qui se sont toujours bien passés. L'équipe, en fait. Et là, justement, on s'est un petit peu écroulé avec Jayzeez, justement, 0-4, je crois, dans la partie Orianna. Il a mal joué, ça s'est mal passé pour lui, ou alors il y a eu vraiment une attention particulière qui a été mise sur la middle lane? Un mix des trois, on va dire, une attention particulière mise par Bjergsen, et bien entendu Amazing qui ont mis la pression dès le début. Et Dairus aussi, on a vu un beau gang. Et Dairus, voilà, il y a eu le first blood à 4 minutes, deuxième kill mid à 8 minutes, ensuite il y a eu le dive. Enfin, il a vraiment pris de la sauce et le focus, mais surtout qu'on n'a pas vu de défense en fait, la part des SK. On n'a pas vu le Kha'Zix, la jungle, le sub qui a été mis ici, Gilius. Donc pour ne pas le nommer... Gilius. On en discutait un petit peu justement tout à l'heure. Pour le coup, qui est au LCS, lui, puisqu'il est... c'est le jungler des Unicorns of Love, une équipe qui a récemment effectué sa promotion face au Millennium. Ouais. Hein, d'ailleurs, 3-2, on s'en rappelle. 3-2, voilà, et tout. Le Billy, 2-0, extraordinaire. Big up à Marseille, bien sûr. ça c'est... Le travail n'est pas présent, mais c'est, j'ai envie de dire, c'est normal, on s'attendait pas à un miracle. C'est le décalage horaire aussi. Ouais. Il vient d'Europe, il est à Taïwan. En vrai, en un jour et quelques, ça doit faire bizarre. Ça parce que... un petit peu, on l'a vu justement pas très bien. Justement, dans cette partie, on va revenir en replay, en ralenti, sur cette précédente game. Et on commence avec le First Blood à 4 minutes 35. 4 minutes 35, alors là, c'est assez classique, hein. Il n'y a pas vraiment grand-chose de particulier, tout simplement Erwar, gang du jungler. Alors vous voyez bien sûr qu'il n'y a pas de flash et pas de heal sur Jayzeez. C'était la première agression du duo middle jungle TSM qui avait fait claquer ces summoners là. Donc là un premier VM qui passe, le Q spell parfaitement parachuté, le dev qui arrive et voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? On dit un dive parce que bon, il y a une tour. Qu'est-ce qui se passe justement dans cette confrontation? C'était un mauvais placement de la part de l'Orianna, on n'a pas claqué les sorts d'invocateur assez tôt, on n'avait plus le flash. On n'avait plus rien. Donc c'était déjà la merde. Non, c'est un move normal. Après, on peut pas vraiment dire que Jayzeez a franchement été overextend ici. C'était pas oufissime. Sur les wards, en fait, j'ai trouvé. Sur les wards, voilà. Il n'y avait pas vraiment d'informations. Bjergsen, il a réussi à le snipe à la tornade. Gap close de Lee Sin, le Q-spell. Lee Sin a fait quand même une bonne distance. Hein. Bush, on est sorti. Hop, on est directement sur lui. C'est des choses qui ne sont faisables qu'avec un Lee Sin, et forcément. Lee Sin, première fois qu'il a été sélectionné justement dans ce championnat du monde. Pas la dernière. On connaissait son skill justement avec le héros. Il a glissé à un moment dans la partie sur la bottom lane. Ça a été le seul kill d'ailleurs qui a été pris de la part d'SK Gaming. Peut-être qu'on le verra dans les replays. Et justement, ça sera le troisième replay. On part sur le deuxième, 8 minutes 15. C'est un kill sur un middle lane. Ouais, de nouveau. Encore une fois. Encore une fois, et c'est le dive Alistar. Donc là, évidemment, on est niveau 6. On a réduction de dégâts de 70% via. Il y a l'ultimate, hop, le headbutt qui passe, l'ulti Yasuo directement, l'ignite, le pulvérise à la réception du combo l'ulti Yasuo. Il n'a pas lancé un sort, si vous voulez. Donc, il n'y avait qu'une seule sortie ici, il fallait flash le headbutt
d'Alistair, sur loop, ça. Est-ce que vous pouvez flash justement à travers la forêt un petit peu en bas pour pouvoir se sortir via les wolves? Je sais pas pourquoi il l'a pas fait, hein, parce que ça faisait un peu penser au move de Snoopy. Est-ce que ça confirme un petit peu ce qu'on disait juste avant de regarder les ralentis, justement, peut-être un petit peu... Est-ce qu'il a eu le temps? Un moins bon mental, peut-être, du côté de Jesse. Est-ce qu'il a vraiment eu le temps? Est-ce qu'il était vraiment bien positionné au ras du mur? Est-ce qu'il n'y avait pas un potentiel de fail flash qui était relativement haut? Je pense qu'il s'est dit ça dans sa tête. Il se pose trop de questions, peut-être. Bah, trop de questions en même temps. Enfin, vous prenez un headbutt, vous êtes comboté avec l'ulti Yasuo. À la réception au sol, vous prenez un stun d'Alistar. Même si vous, à un moment donné, vous flashez, la mort s'ensuit. En tant que joueur d'Orianna, est-ce qu'il y avait des solutions pour s'en sortir, justement, aussi, Domingo? En fait, ça dépend. Est-ce qu'on avait une shockwave à mettre? On avait, à part le flash, bien sûr, à mettre sur le headbutt de Alistar. La shockwave mettait trop longtemps, en fait. Quoi qu'il arrive, il n'a pas pu jouer, il s'est fait full CC. Le problème, ça a été... Enfin, quand il voit... Ça dépend où il en était, en fait. S'il était plus la vision portée sur le Yasuo, il n'a pas vu instant le Alistar sortir. Et ce 0,05 secondes de délai, justement, pour s'en rendre compte, c'est déjà trop tard, en fait. Et après, c'est compliqué. On pouvait toujours flash, justement, pour Brain avec le headbutt. Enfin, c'était possible, justement, de faire bugger un peu tout ça. Le mur aurait été possible, mais il a claqué le heal là-dessus, en plus. Donc, derrière, il se refait snowball. Il peut rien faire dans le prochain trade. C'est un peu mitigé, je trouve. Jesse, encore une fois, donc une petite erreur de sa part. On va sur la bottom lane, ce coup-ci, pour le seul kill, justement, d'Eska Gaming avec le Lee Sin, qui dérape 9ème minute de jeu. Alors, à 9ème minute de jeu, on a Amazing qui tente. Alors, attendez. Ah, on est à 17ème. D'accord. Suivons directement. Donc là, on a du solo kill pris par Bjergsen directement, le dive assez easy peasy. Il y a bien sûr l'exécute tentée. De la part d'Amazing, mais la tornade aura bien sûr rattrapé. Alors le move qu'on voulait montrer à la base, c'est simplement le kick. On va le remontrer juste après, justement. Là on est à 17ème. Tu voulais justement montrer ça continue pendant une minute, en fait. Ouais. C'est TSM qui part véritablement en mayhem. Ici, on voit le trade bottom lane, le crescendo qui a été dodge, le kill qui est à la limite d'être pris et bottom là, lane. Très intéressant, puisqu'on voit le chain qui ne continue pas, justement. Est-ce qu'il avait la possibilité ou c'était pas possible, justement, de prendre ce kill sur Tristana? Si, il pouvait prendre ce kill sur Tristana. Ça ne faisait absolument aucun doute, et ici voilà, on a la warp qui est posée, le dive Alistar qui arrive, et un Alistar qui dive, on ne peut rien faire contre. Il prend la tour, il la tank jusqu'à la fin, regardez ça, c'est toujours Alistar qui est en train de tanker cette tour, pendant que, bien sûr, le Mundo se fait complètement éclater. Il n'a pas perdu de vie, c'est aussi simple et cruel que ça. Alors le move continue jusqu'à 18ème 50, puisque suite à ce qui mid lane de prix, ce dive bottom lane, en gros c'est un ace, quasiment, qui s'est propulsé pour le poulet TSM. On a encore du kill qui va être pris ici en 1v1 entre guillemets par Bjergsen. Ensuite le add, le headbutt, la mort directement, double kill. Il y a 6 kills qui seront pris par TSM dans cet échange, plus un dragon. C'est fin du jeu. Ça a l'air un peu trop simple, tout simplement, du côté des TSM à partir de ce moment-là du game, justement. Mais en 1 minute 30, ils ont tué 6 personnes et fait un dragon. Bonne synchronisation sur la bottom lane. On arrive à 5, hein, directement, justement, pour le dive, pour prendre ces 2 kills, pour prendre cette tour, ce dragon, justement. On pouvait rien faire du côté des SK. C'était la mobilité qui manquait un petit peu. On n'a pas vu Gilius, justement, qui était là pour essayer d'être équilibré au niveau des personnages. Ce que j'ai ressenti personnellement dans ce dive-là, c'est pourquoi il y a encore des SK Gaming en fait qui défendent cette T1 au final, parce que bon, on s'attend qu'il va y avoir la pression qui va être mise sur la tour, parce qu'il y a une pression à être mise sur le côté inférieur de la map pour le dragon juste derrière. On s'attend à ce que les TSM partent violemment sur cette bot lane. Et au lieu de justement, on va dire, prendre conscience de ça, de laisser la tour et de pouvoir revenir contester le dragon, non, on essaie de rester, on essaie de défendre, on essaie de... C'est un manque de vision de jeu, ça, de la part des Sky Gaming, justement, à ce moment-là du game. Ils ont trade, quand même, tu vois. Il y a un peu le bait de Tristana qui part à 5 HP, Nami qui revient qui en a 200, Sona qui engage, ça pouvait vraiment faire double kill, les mettre bien, du coup, il n'y aurait pas eu, dans justement... Dans le 2v2. Tu vois, s'il gagne le 2v2, Amazing, il peut pas venir solo, c'est un peu chaud, donc... Il est pas venu solo, de toute façon, il a ramené son pote. Il a ramené son pote, mais ce que je veux dire, c'est que c'était... Si ça passait, ça aurait pu les remettre bien, justement. Après, moi, je trouve la bot lane assez solide dans l'ensemble. C'est pas deux que ça vient, en tout cas, le problème. Quand Panda et Enrated, justement, avec ce pic de Sona, on n'en a pas parlé. C'était un bon pic, justement, dans cette composition et contre cette composition. Oh, c'est un bon pic. Il n'y a vraiment aucun souci. Le rework a plutôt pas mal fonctionné. Avec un Lucian, ça aurait d'avoir beaucoup de puissance, early game. On attendait, bien sûr, le Wombo combo avec la Orianna, etc. Mais on n'a pas pu le voir dans cette partie. Je sais même pas si on a vu une bonne shockwave. Si, la dernière. La dernière. Sur la tour, il en chope 3, mais il fait 0 dégâts. Avant le surrender. Ouais, voilà, c'est ça.
Est-ce qu'on peut revoir justement le moment où Amazing dérape? C'est le seul kill des SK Gaming, ça serait assez intéressant tout de même de le souligner. Et puis après, on partira dans le lobby de Dark Passage contre AHQ, puisqu'on est quasiment parti, les amis. Je vais vous demander votre MVP tout de même de cette partie. Alors, est-ce que vous avez eu un petit préféré, le seul ou alors c'était tout simplement l'équipe dans son ensemble? Non, Bjergsen. Bjergsen, oui, le Yasuo sur middle lane, oui, qui a tout fait. Il a tout fait. Il a tout déclenché. Darius a été bon, il n'a pas fait d'erreur, mais c'est pas lui le... C'est lui qui a déclenché le premier écart, en fait, entre les deux équipes. C'est lui qui a vraiment, on va dire, mis la pression. Alors, Amazing, voilà, le seul kill des SK Gaming part, en fait, d'un bon call de Amazing qui voulait, justement, aligner les deux pour faire un double kick, mais il ne s'attendait pas au dash, bien sûr, de Candypanda. Quand bien même il aurait réussi son double kill, qui a eu le sort d'un 14 soins, qui a été cliqué par Candypanda, il y avait les deux flèches disponibles. Donc, Amazing qui a juste eu envie de faire le spectacle. J'imagine. Voilà. Belle ulti de la part de Nrafet tout de même. Hein. Il était au bout justement du crescendo. C'est ça. On regarde le MVP, donc Bjergsen sur son Yasuo middle lane. On avait eu Mata tout à l'heure justement sur la support lane avec sa petite Nami. Et c'est maintenant donc Bjergsen, la star tout de même de l'équipe Team Solomid. Un petit pronostic pour cette prochaine partie Dark Passage contre AHQ, les amis? Aucun pronostic. Vous voyez, c'est un match entre deux underdogs assez significatifs, donc on va voir ce qu'il nous réserve. Et bien sûr, Søren Bjerg, hein, le midlaner des TSM, ex-Copenhagen Wolves, qui commence ce World Championship avec des statistiques très impressionnantes. 11-2 KDA, 256-16 dans une game de 25 minutes. Il est dans ses chaussons. Il est dans ses chaussons, un énorme GPM, 5-0-6, pas une seule mort à son actif pour le moment. Ça commence très bien pour l'équipe Nordmark. Allez, on va partir pour Dark Passage contre AHQ, le troisième match de ce championnat du monde. C'est Twix et moi-même qui allons vous le shootcaster. On se retrouve dans 30 secondes sur l'Eclipsia TV. A tout de suite. Allez, on est de retour sur Eclipsia TV pour le troisième match. La Turquie rencontre Singapour, les amis, AHQ contre Dark Passage. C'est donc le troisième match, on est ensemble avec Twix. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur nos réseaux sociaux, on n'en a pas encore parlé aujourd'hui. On pourra vous en parler jusqu'au 19 octobre, puisque ces championnats du monde durent tout de même un mois, mon cher Twix. Vous pouvez nous retrouver durant toute cette période sur LegLOL, LOL et sur Twixzilla, TWEEKZILA. La partie qu'on a shotcastée tout à l'heure entre les EDG et Samsung Wild est déjà sur YouTube, donc si vous avez loupé, vous pouvez retrouver première game qui était plutôt intéressante. Dark Passage contre AHQ eSport Club, la GPL contre une wild card. Oui, c'était un tournoi qui était organisé avec la Russie, etc. Il y avait des équipes russes et une équipe d'Océanie qui ont joué en même temps que Dark Passage. Ils se sont qualifiés. On regarde les compositions des deux équipes. Maokai sur la top lane, on a un Lee Sin dans la jungle du côté de Crystal. Nous avons Syndra, nous avons la Tristana et la Nami du côté de cette bottom lane. Bonne composition. En face, nous avons une Nidalee sur la top lane du côté de Prize. Ça va être vraiment un problème. Un des meilleurs joueurs de l'équipe, Westdoor, sera sur un Fizz. Ça risque d'être intéressant, ça aussi. Ça risque d'être intéressant, et en même temps, enfin, plutôt dans le sens où on ne connaît pas parfaitement ces équipes là. C'est facile de le connaître, sortir des stats, etc. Sur des équipes blockbuster, hein. On a du TSM, on a du Samsung White, on a du Night Jean, on a du Fnatic Alliance. Là, Dark Passage. Et AHQ qui est le numéro 2 en fait de GPL derrière les TPA. Les TPA qui sont numéro 1 et vraiment numéro 1 du moins pour l'instant. On ne sait pas ce que le futur nous réserve. Et donc du coup on a déjà deux équipes. Donc une équipe qui n'a pas vraiment son ranking de fait vis-à-vis des autres équipes présentes dans ce championnat du monde. Parce que tournoi wildcard, un tournoi une chance. Voilà, on y va. Ils ont réussi à aller jusqu'au bout, les Dark Passage au-dessus que vous voyez. Enfin maintenant qui sont les casters bien entendu. Naru qui sera très certainement, on va dire, le joueur le plus sérieux à suivre de par ce qui s'est passé au wildcard. Il a réussi à step up, à montrer, on va dire, sa prise d'initiative dans son équipe. Mais encore une fois, on n'a pas vraiment de comparatif, donc c'est une bonne partie
pour les Dark Passage, je pense, et une bonne partie d'échauffement également, puisque sur le papier, les HQ sont donnés favoris pour l'équipe de, d'Asie du Sud-Est. Il va falloir tout donner tout de même pour l'équipe de Turquie. Les DP, donc, que vous voyez en bleu en bas à gauche de votre écran, les HQ sont déjà partis tous ensemble sur la top lane. Ils sont 5 en rouge, les amis. Ils vont se situer dans le tribush, j'ai l'impression, de la top lane, et on va pouvoir voir quelque chose d'un peu plus exotique au niveau de l'invade. Parlons des compositions maintenant, puisqu'on voit bien entendu que Naru a réussi à choper sa Syndra. C'est un pic clé pour lui, du moins pour la faible expérience qu'on a des Dark Passage sur une scène. Du côté HQ, je dois avouer que c'est une composition qui ne présage rien de bon concernant l'early game des Dark Passage. C'est très agressif, ça a énormément de puissance en phase de lane, même si bon, il y a toujours l'éternel Nami Tristana qui est un des meilleurs combos, actuels. Lucian, qui vous allez en voir à foison du Lucian de toute façon. Le Thresh, encore une fois, beaucoup de potentiel d'assassinat. Mid lane avec le jungler, c'est furtif, ça peut aller très très vite, ça exécute bien, c'est parfait contre justement une Syndra qui manque de mobilité, qui a plutôt du CC défensif en fait, plus que des outils défensifs. Et au niveau de la top lane, bah, on a le... La top lane, c'est là que ça va être super voilà, intéressant. On a le plus gros lane bully actuellement. La Nidalee de Pride contre Maokai de Fabulous. Va falloir être 5 hein, pour les Dark Passage. S'ils vont pouvoir gagner la partie, va falloir se regrouper et prendre des teamfights. Alors que cette Nidalee va split push justement. On va voir comment ils vont réussir à gérer ça, les HQ. Et eux, ils ont plutôt envie de catch justement, de faire des petites escarmouches avec ce Kha'Zix et ce Fizz, qui seront vraiment deux éléments principaux dans la composition de l'équipe de Singapour. Allez, tous ces efforts ruinés. Oh, voilà. Et c'est maintenant qu'ils ont été vus. Dommage, mais en tout cas, ça crée quand même la surprise. Ils n'ont pas été encore vus justement les Dark Passage. Si. Juste à l'instant, grâce à cette trinket, on va se voler le red buff du côté de Crystal et on vole le blue buff du côté de Naz. Le Kha'Zix de la partie. C'est un trade absolument pas rentable pour les AHQ ici, puisque l'intérêt de counter un buff, c'est éventuellement d'en avoir 3 en sa possession. Sauf que là, s'ils veulent partir sur un second, bah, sur un côté de la map, il a déjà été pris et les deux autres sont de l'autre côté de la carte. Donc pour Kha'Zix, là, s'il veut avoir les 3 buffs, il faut foncer sur le raid des HQ, chose qui est impossible puisque Lee Sin vient de téléporter. Donc on devrait normalement avoir un 2 pour 2 en termes de buff avec 0 buff rouge pour le jungler des HQ. Agression de la part de Naru, level 2, le timing. Oh, qu'il est en train d'effectuer Naru. Oh, ils portent les balls un petit peu, ils ont pas peur. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut pas trop se poser de questions hein, pour l'équipe de Turquie, parce que sinon ils vont passer à une très mauvaise phase de groupe. Il faut y aller à fond, essayer de prendre toutes ses chances de leur côté. Maokai contre Nidalee sur la bottom lane. On revient un petit peu à zéro hein, du côté de la map. Regardez, le Lee Sin est sur son red buff et on voit le Kha'Zix sur son blue buff. 3800 gold partout, il ne se passe rien actuellement. Le swap de lane a été digéré de la part des HQ et tout va bien. Tout va bien, même... Je mettrais quand même un sérieux avantage pour les Dark Passage. Kha'Zix, il n'aura pas de red buff sur la première rotation, donc sur les premiers timing gang, si jamais il y a confrontation entre les deux junglers, avantage Lee Sin, red buff, trop damage, slow et compagnie, plutôt que le blue buff, bien sûr, 10% de CDR, bon, ça va pas vraiment changer grand chose, peut-être un missile de plus éventuellement, mais et encore, et puis il faut pas le louper, bien entendu. Oh, attention, le grab très bien joué de la part de Green Tea sur touch directement, on s'était mis à l'être 3 du côté de la Nami. Ça go pas si intensif que ça, en tout cas sur les occasions de grab. Et on aurait pu penser justement que ça aurait pu go là avec Ignite justement de la part de Green Tea. Il y avait peut-être un kill à prendre hein, sur touch. Exhaust hein, du côté de la Nami. Et on a bien sûr les deux heals du côté des Kariadés. Attention Crystal sur le gang sur la bottom lane. Oh là là, 3 traps. Un petit peu moche juste. Ah, il a marché dans le champ de mine. C'est vrai que bon, avec le rework Nidalee, on les voit pas tellement. On les voit pas en fait dans les buffs. Et on est obligé de retourner dans la jungle hein, du côté du Lee Sin. 9 CS actuellement, 9 CS aussi du côté de Naz qui lui aussi se fait voir, pas par les traps ce coup-ci, mais par une ward qui a été positionnée de la part du Maokai à notre Doran, à épée de Doran du côté de cette Nidalee. On a les sorts d'invocateurs qui sont à peu près à la moitié de leur CD. On devrait rester encore un petit bout de temps hein, du côté des deux solo laners. Fabulous hein, qui bait bien actuellement. Ouais, il bait vraiment pas mal et le focus peut, s'il est instantané, peut être vraiment violent. Le jump sur le flanc. Attention, on a quand même le red buff justement, comme tu le disais, le 2v2 est en faveur des Dark Passage. Ça force quand même le flash, hein, Kha'Zix qui saute au milieu tel Gandalf. Malheureusement, son jump ne fait pas grand chose de plus que une petite explosion assez sympa, vu que ça a été nerf de manière très sensible pour anéantir le Kha'Zix de l'époque, la sauterelle.
l'invasion de cliquet, on s'en souvient. Jump in, jump out, et je tue avec le jump qui avait 0,8 de ratio. Tous les nerfs qu'a reçu Kha'Zix. Et pourtant, il est là. Qui a été tout le temps nerf. Un an après, top tier pick, aucun problème. Et aussi le rumble de Looper tout à l'heure, hein. Un héros qui s'est fait souvent nerf. Bah qui... pas vraiment nerf, non. Enfin, oui, il se fait nerf, mais il se fait nerf surtout par... En fait, le coding, attention, le grab ici qui passe bien. Un grab de la part de Grinty. Ils ont pris l'agression directement. L'ignite a été posé. Ça va être compliqué de concrétiser le kill. On a loupé la bulle, hein, de la part de Touch. Oh, c'est très bien joué de la part de Grinty. Garnet Devil qui était gap close. Et merci justement au sort d'invocateur, hein, de la part de Nami qui a dû tout claquer pour pouvoir s'en sortir. C'était chaud. C'était assez chaud. Un petit peu overhack de la part de Nami quand même, la pression. Parce que Lucian n'avait pas l'étal sur Tristana, il ne l'avait définitivement pas. Bon, alors ça c'est une story, hein, comme on dit. Puis bon, c'était assez compliqué comme move, hein, flash une lanterne. Il faut répondre avec une arme à sa mesure. C'est quand même dommage de ne plus avoir le flash sur Nami alors qu'on aurait éventuellement pu l'éviter. Ouais, on a toujours le heal, hein, du côté de Garnet de Ville. Encore un sort d'invocateur donc sur cette top lane, bot lane au final, puisqu'on a eu un sort de lane, hein, constaté 2v2. Donc petite avance du côté du Lucian, mais il y a eu le même back qui a été effectué du côté des deux compositions. La pioche qui a été achetée, on a acheté aussi un petit rubis cristal du côté de la Nami, du côté du trash, donc équilibré cette bot top lane. Naru qui n'est pas très très agressif sur sa mid lane alors qu'il avait l'information sur Lee Sin top lane il y a de ça quelques secondes. Il avait un avantage level 6 contre level 5. Il l'a toujours, hein, mais... Et il l'a toujours, mais il n'en profite pas assez bizarrement. Alors qu'il pourrait faire un petit peu peur à ce fils qui maintenant va se faire un plaisir de mettre le trickster sous sa tour, à moins qu'il l'astite tout simplement à l'ancienne. Oh, l'astite à l'ancienne tranquillement. C'est vrai que là il pourrait prendre l'avantage, par exemple avec le map control, c'est ce qu'il fait ici sur le side push. Pourquoi pas aller sur les races, pourquoi pas essayer de voir où est la sauterelle sur le route ici qui passe. Oh, c'est dangereux ça, c'est dangereux de la part de FabFabolous, vous avez bien vu le Q-spell qui est loupé de la part de Crystal, level 5. On va effectuer la deuxième rotation des buffs, mais comme on a invade dans les premières minutes de jeu, eh bien ça va être un petit peu compliqué d'aller chercher le red buff adverse. Hein. Du côté de celui-ci, on devrait attendre plutôt du côté du buff. Allez, on recommence. Pousser, qui vient de passer. Attention, Naz qui est parti directement avec un petit jump polyphase qui se fait graver. Ça va être le first blood du côté des HQ. Ça sera directement sur Garnet Devil, le Lucian qui concrétise le premier kill de la partie. Et le téléport en plus de ça de Fabulous chez Dark Passage qui a été claqué. Le CD a été claqué pour tenter d'aider sur sa pauvre botlane. Malheureusement, il était déjà largement trop tard. Avantage à HQ pour l'instant en termes de prise d'initiative, mais attention, avec du Fizz, avec de l'Indalé, avec du Kha'Zix, ça peut très très vite partir à contresens. Et justement, il va falloir rester ferme, hein, du côté de la Syndra. On est level 7 actuellement, on est top farm de la map, 8ème minute de jeu, 66 CS, Calice d'Harmonie qui a été acheté. Les espoirs reposent majoritairement sur Naru, hein, sur cette partie. Naru pour le contrôle, pour le 4v4, on va dire, avec du... Enfin 4v4, oui 4v4 avec du Lee Sin, Tristana, Nami, Lee Sin avec Maokai éventuellement en split, mais lorsqu'on prend Maokai top lane, on a plutôt envie justement de l'avoir avec soi, de l'avoir en team. Donc le timing de regroupement va être très 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 important pour les Dark Passage. Il ne faut pas que ce soit trop tôt, bien sûr, pour ne pas manquer de puissance de feu. Il ne faut pas que ce soit trop tard, c'est-à-dire comment c'est pas l'élément principal, garder le maximum de tours justement. Ouais, garder le maximum de tours, c'est très important. Le Fish qui n'est pas du tout, enfin le Omar qui n'est pas du tout passé. Et attention Prize, hein, qui est un petit peu dans une mauvaise situation. Il y a le red buff en plus du côté de Crystal. On a kill directement, on n'a pas réussi à mettre le Q-spell. On va réussir à la tuer, mais c'était compliqué tout ça. Allez, c'est plus bon, que avec ça le, avec le Q-spell, c'est Maokai qui récupère le kill. Parti sur un bâton séculaire, 26 de différence. Ça va pouvoir le remettre à l'équilibre sur cette botte, sur cette solo. On n'a pas peur de claquer des cooldowns au moins. C'est ça qu'on peut apprécier dans cette partie. Des cooldowns offensifs, hein, pour sécuriser les kills, pourquoi pas. C'est vrai que cette ligne d'allée, bon, on a déjà vu XPK faire des petites escapades très très longues. Donc on n'a pas envie bien sûr de réitérer comme on le disait tout à l'heure. Naru, voilà, dans le 4v4, mais okay. Le timing de regroupement des Dark Passage est très important, dans le sens où, comme je disais, il ne faut pas que ce soit trop tôt pour être trop faible avec les instant engage et donner quand même à Tristana l'occasion de build au moins deux items, puisque le véritable power spike Tristana, c'est trois items. Avec deux, on peut déjà faire pas mal de choses contre une composition aussi squishy. Il ne faut pas que ce soit trop tard non plus, c'est-à-dire il ne faut pas que ce soit après qu'une Nidalee ait pris l'avantage en termes de tours et compagnie. Est-ce qu'on pourrait voir un regroupement encore un peu plus tôt
de la part des Dark Passage, avec justement ce fils qui est sur la middle lane, qui a des problèmes pour des pushs, avec un petit regroupement avec Tristana, avec Nami, avec le level 9 de Syndra, ça pourrait le mettre dans une mauvaise situation. Ce serait une option, seulement il y a le facteur Kha'Zix à prendre en compte, et quand bien même on a une Syndra qui a beaucoup de wave clear, beaucoup de pression à longue distance, on a Kha'Zix qui, s'il évolue son Z, contrôle totalement. Est-ce qu'il faut qu'il évolue son Z justement ? Oui, il faut absolument. C'est nécessaire, c'est obligé du côté de Naz. Il n'y a pas de wave clear du côté des HQ, donc il faut absolument que Kha'Zix ait ce missile 50% slow, ne serait-ce que pour contrôler déjà les déplacements de l'équipe adverse, ou pour contrôler l'afflux des lanes, sinon ils vont se faire submerger. Et Fabulous qui se fait poke, hein, comme vous pouvez le constater de la part de cette Nidalee, c'est compliqué. Elle a déjà sa brillance, une épée de Doran et une longue sword supplémentaire, 80 CS actuellement. Naz, pendant ce temps-là, est en train de déwarder un petit peu la map. Il n'y a que de la vision du côté HQ actuellement. On a égalité au niveau des goals. On essaie tout simplement de ne pas perdre les legs, hein, du côté de la Dark Passage pour le moment. Et on va essayer d'avoir pour utiliser les premiers items. C'est, ça va être ça qui va être important. Items effectivement qui vont être extrêmement importants, mais là ce Drake, cette tentative de Drake est, enfin tentative, ce dragon est juste parfaitement timé, hein. Finalement on voit qu'il y a un avantage en termes de map control côté HQ qui est significatif. Les Dark Passage étaient tranquillement en train de faire leur buff bleu sous deux wards, asiatiques. Attention, le grab ici qui passe sur Nami. Avec une flèche de la part de Green Tea. Oh, la bulle, qui arrive à mettre une double bubule qui arrive à le sauver. Ça encore une fois, il fallait le sortir, un double bubble de la part de Touch, c'était très bien joué. Et là pour le coup, c'est avantage incommensurable pour les Dark Passage. Le carry AD chez HQ est beaucoup trop low HP. Il y a le potentiel d'exécute, il y a toujours le flash disponible sur Nami. Tandis qu'il n'y a plus vraiment de summoner spell offensif, quel qu'il soit, chez les HQ. Même le soin a été burn. Donc là, on a un potentiel de kill, voire de dive, voire de tour. Ça dépendra de la réaction des HQ et ça allait plutôt l'air d'être la tour. C'était une bonne réaction, ça, justement, de la part des Dark Passage. Mais par contre, Crystal ne vient pas aider cette bot top lane. Il y a même le recall de la part de Nami, Tristana qui est toujours en train de free farm. On a placé le Lucian tout seul face à elle. Et nous avons Thresh qui est en train d'arriver justement sur un middle lane pour support un petit peu ses autres compagnons de jeu. Nous avons le red buff qui a été effectué, hein, de la part de Naz. On est à 12ème minute de jeu. Petite avance au niveau des goals du côté des HQ. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, on va dire? Est-ce qu'il faut que ça se passe comme ça du côté des HQ avec cette composition, justement, à ce moment-là du jeu? C'est... Oui. Oui. Oui, oui, il faut que ça se passe comme ça. Il faut qu'ils aient l'avantage en face de lane. Ils sont censés l'avoir de toute façon avec cette Nidalee, avec ce Fizz. Pas au début de la partie où il se fait bien sûr mettre beaucoup de pression par le fait qu'il soit mêlé. Mais vous avez vu, une fois qu'il est passé les vaisseaux, une fois qu'il a eu sa brillance finalement, bah, la Syndra n'est plus vraiment en position agressive. On cherche plus à mettre toutes les Q-spells sur Fizz pour essayer de le forcer en dehors de la lane. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus prudent. Et c'est tout à fait normal. Et on le voit bien justement dans le jeu de Naru depuis tout à l'heure, même s'il a 35 CS de plus, un bon placement cependant de la part et du voilà. Midlaner. Il a un très mauvais placement sur le coup. Matlife, allez la Matlife à partir directement, un petit ultimate à la fin pour mettre le maximum de dégâts, même pas du côté de la Syndra. 2-1-1 avec un brain lag, hein, du côté de la 7 Syndra qui était partie faire ses Vrace et qui est revenue comme une fleur. Qui est passé sur le couloir devant un Fizz qui venait pourtant de... Il venait de claquer son E, son Trickster. Green Tea. Joy Dodge. Qui a fait une grave, le play est passé. On a le red buff, hein, du côté de ce Kha'Zix qui a mis, comme tu le disais, wow, l'amélioration West d'or. Oh, le kit délicite. Est-ce que ça sera suffisant? Ce n'est même pas sur Touch qui arrivera à s'en sortir grâce à cette bulle, j'ai l'impression. Mais Crystal, lui, est bien trop seul. Et Touch ne s'en sortira pas de kill supplémentaire dans les mains des HQ. Il s'est fait fouetter. Dommage, l'escape était honorable. Voilà, elle était honorable. C'était bien brave. C'était bien brave, exactement. Mais bon, c'est vrai que les chances de survie étaient relativement faibles. J'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Westdor, son fils. Il a juste step back sur le flanc, évité la vague de Nami. Il a dit à Thresh, attends un peu. Attends, il y a des interférences. Je vais prendre un cocktail. Il y a de la circulation. Et il a repris la lanterne derrière. Après, il s'est pris un instant kick de Crystal, tout de même, qui était plutôt... Bien non réfléchi. Ah là, c'est le positionnement, hein, de Touch qui est à remettre en question. On voit Crystal qui est en train d'arriver justement pour supporter un petit peu son support. Et vous regardez justement de quoi il est en train de parler, notre cher Twix. Gauche droite, et là le kick, boum! C'était vraiment pas mal. Ça aurait peut-être pu laisser Touch en open. Là, le fake flash par contre était assez dégueu. J'imagine qu'il voulait regap poser avec le Z derrière sur Nami pour continuer. Je ne sais pas trop ce qu'il voulait faire ici. En tout cas, peu importe ce qu'il voulait faire, ça
ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Ça a complètement foiré. À 2300 gold d'avance pour les HQ, c'est peut-être maintenant justement que le snowball va s'effectuer. Prize qui est toujours en domination sur cette solo lane. Il a acheté un phage, on va être bientôt sur un Triforce. Normalement, on devrait l'avoir au prochain bac. Et attention, cette bot top lane qui va prendre beaucoup d'agression normalement maintenant. On a Lignax qui vient de revenir sur Genty. Le prochain grab, ça peut enchaîner directement une mort. On n'a plus de flash du côté de la Nami. On a l'exhaust toujours. Très très attention. Encore le téléport de la part de Maokai. Par contre, on n'a pas réussi à placer la bulle. Grinty qui est dans une très mauvaise situation. On a plus de flash non plus de la part de Grinty. Plus moyen de se défendre. Téléport de la part de la Nidalee. Est-ce que ça sera suffisant pour conclure? Chase, ça touche Tristana. Pourquoi pas? C'est un petit peu ballsy, mais très belle bulle. Contre la part de Dutch, on ne pourra pas s'en sortir. La Nami qui. Le poids du Fizz. C'est le poids du Fizz, bien sûr, l'instant de combo. On a vu le TP un petit peu light de la part d'Indalé, c'est pas vraiment de sa faute, il y avait Lee Sin qui était présent bien sûr. Ils avaient prémédité ça les Dark Passage, hein. C'était plutôt une très très bonne initiative. On a eu Lee Sin qui est venu hold bot lane pour laisser le free TP à Maokai, bien sûr Lee Sin ça peut en tirer le TP. Gros coup de pied dans la face. Ah, le fade jump on l'a tous vu bien sûr devant 300 millions de téléspectateurs. Et le Pikmin. Le bac serait passé, c'est pas grave. Ce que je ne vois vraiment pas par contre chez les Dark Passage, c'est Naru. Naru ne sort pas de ses middle lane. Naru reste middle lane. Toujours en train de farmer, est-ce que c'est ce qu'il faut faire justement pour qu'ils aient une chance de gagner? Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir des items à Naru, à un level. Il faut. Est-ce que c'est leur stratégie? Il faut que ce soit l'arme de destruction massive, c'est-à-dire que quand on voit des boules sur le sol et que le souffle est disponible, on se dit mince. Voilà, Yacinera. Ça disengage instant, ça peut engage instantanément. Ça fait un petit peu tout, ça contrôle véritablement Syndra. Ça a failli se faire contrôler aussi. Le grab qui est pas passé loin, il y avait Kalisk qui était pas loin, qui aurait pu venir rapidement avec une lanterne, qui aurait été posée de la part de Thresh. On essaye de scouter au Pikmin, hein, comme vous pouvez le constater. Fab Fabulous qui n'est pas loin, level 11 actuellement. On vient de positionner une petite ward de la part du Thresh. On est en train de rester autour de ce dragon, on a envie de le prendre. L'objectif. Ouais. Global de la map, 2500 gold d'écart entre les deux équipes, c'est pas si monstrueux que ça, mais on a une bonne avance tout de même du côté des HQ qui sont beaucoup mieux dans et la on a un gros retard chez les Dark Passage aussi. Naru, il n'a qu'un Naten, que des bots et un Doranz, ce n'est pas normal. On a une IE hein, du côté de Lucian, on a juste les composants voilà. Du côté de la Tristana. Exactement, on a le mid laner qui n'a pas été chop et le Karyade qui n'a pas son item. Il a juste les composants. Il faudrait le voler, ce dragon il ferait vraiment du bien, mais ça va pas être possible. Et Crystal en plus qui se fait grab directement de la part de Green Team qui essaie néanmoins de se désengager de cette mauvaise situation avec un kick, mais c'était bien trop compliqué. Encore un kill récupéré du côté des HQ. C'était moins gratuit ce dragon là, mais il était quand même dans les mains des Singapouriens. 3000 gold d'écart, 4000 même entre eux. Ça manque terriblement de dégâts chez les Dark Passage. Je me demande sincèrement si on va avoir le temps de voir cette Tristana et de voir cette Syndra. Il faut qu'elle back cette Syndra, vraiment il y a à mon avis plus de 1600 1800 G disponibles. Oh là là, le but, c'était pas loin justement, encore une fois que ça glisse, hein, des grosses baguettes. Ils sont en train de dominer complètement cette partie. Il n'y avait que 3000 gold d'écart juste avant le dragon, on est à 5000 maintenant avec toujours une domination, hein, sur la bottom lane. Aucun souci, Garnet Devil plus Green Tea à se défaire de cette bottom lane. Holy Phoenix plus Touch actuellement. Maokai sur la top lane, 36 de différence. On a la Triforce du côté de la Nidalee, on a des bottes de résistance magique aussi. On a le bâton circulaire du côté du Maokai. Alors, on va pouvoir outscale un moment dans la partie du côté des Turcs où ça va pas être possible. Dans très très longtemps. Une équipe comme celle des HQ est censée prendre l'avantage en phase de lane, mais ne doit pas l'avoir à outre mesure. Bien sûr, bon là sur la top lane c'est encore contrôlable. Sur la mid lane par contre c'est complètement parti en cacahuète. 3-0-1 pour Fizz, 7200 gold, il a Leech Bane plus une grosse baguette. C'est-à-dire que là, l'espérance de vie de Tristana vient de diminuer peut-être de 70%. On a 1000 gold de plus hein, dans les poches de Fizz justement par rapport à son opposant sur la mid lane. C'est beaucoup trop dans le sens où un Fizz sur une middle lane doit être plus préoccupé que ça dans sa phase de lane. Et une nouvelle tour normalement qui devrait pouvoir être concédée. Devrait être concédé de la part des Dark Passage. Fafabulous essaye au maximum de mettre des dégâts, mais c'est bien trop compliqué. Nouvelle tour, nouveau kill du côté des HQ. Ça fait la deuxième, justement, dans cette game. On est parti maintenant. Ils sont en train de dérouler le tapis. Nidalee, bien sûr, sur les dives. Il est extrêmement efficace. Un Q-spell de Nidalee en forme de cougar au rang 5 avec une brillance. Et d'autres items, je ne sais plus quoi, j'ai plus le calcul précis en tête. C'est midline.
Non, c'est équivalent à un ulti rang 16, rang 3 de Garen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Q-spell ulti. Je pense avoir compris parce que j'ai arrêté de parler. Q-spell ulti. Ah, oui, ça fait. C'est vraiment énorme. Enfin, les dégâts du Q-spell, je sais plus comment il s'appelle. Takedown, je crois. C'est le takedown. En français, c'est dégueu, bien sûr. Toujours comme toujours. C'est ça que tu vas nous dire, mon cher Félix. Les dégâts Nidalee sont juste beaucoup trop élevé pour que Maokai, même en étant Maokai, puisse tenir la distance tout le temps. Au bout d'un moment, les tours vont commencer à tomber, donc ils sont plus forcés de mettre ce match-up là en direct. Malheureusement, Nidalee qui est dans cet état-là, c'est Nidalee qui est prêt à speed push. Et il est trop tôt pour que les Dark Passage puissent se défendre contre un speed push. Et ce duo-là marche plutôt pas mal, hein, qui était en train de pusher la bottom lane tout à l'heure. Maintenant, on est sur un middle lane à déjà mid HP cette première tour, hein, du côté des Dark Passage. On va essayer de créer l'ouverture justement avec cette middle lane qui va retourner sur la bottom lane. Elle a son téléport, attention Maokai, là aussi il est en train de se regrouper avec son équipe Crystal qui vient de laisser le red buff, hein, Holy Phoenix, Liu qui a été acheté, mais on a un zèle d'avance. Maintenant du côté de Lucian, cette tour ne pourra pas être sauvée. Pourtant il y avait un triple stun. Quel dommage de ne pas profiter de ce genre de stun avec des bulles de Nami. Exactement, mais on avait la vague, hein, de la part de Nami. On avait la vague, mais c'était trop tard. Le stun était beaucoup trop loin, c'est le positionnement beaucoup trop défensif qui ne leur permet pas de justement profiter de leurs propres actions finalement. Et la faute au Fizz. J'ai l'impression qu'on voit bien la comparaison avec une équipe de niveau mondial comme les Samsung White tout à l'heure, avec Looper plus Mata, tu sais, avec la synergie qu'ils avaient, synchro. La communication, la synchronisation avec leurs ultimates sur le Baron Nashor. Là, on n'a pas vu. Oh là là, ça a juste la bonne personne. Ce genre de choses, Holy Phoenix qui va être pris à partir de la part du Fizz sous Exhaust, c'est pas trop mal joué. Nami qui ne pourra pas s'en sortir, qui est déjà mort. Holy Phoenix qui ne peut pas. Le Fizz vient de mourir, c'est du 2 pour 1 actuellement. Green Tea qui a complètement loupé son grab, mais c'est pas très grave. Et le focus est sur Lucian maintenant directement. Naru, est-ce qu'il va réussir à faire quoi que ce soit? Non, il s'est fait flash. Son stun, c'était pas trop mal joué pourtant de sa part, et maintenant ça va être bien plus compliqué que ça. 4 sur le Maokai, il ne pouvait pas s'en sortir. 4 pour 1. Derrière, c'est une fight, une big gold d'écart, ça part en cacahuète. Ça sent le sapin. Ça sent la première game du round robin pour HQ. Toutefois, leur performance dans ce team fight là est loin d'être irréprochable. Je veux justement parler de Westdor, de ce fils qui se comporte tel un fils disposant de 4 zonias. On est d'accord. On est d'accord, donc Goin sous Exhaust, bien sûr. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été claquées sur Wesdor, justement. Exactement, beaucoup, voire peut-être même un peu trop, mais bon, il est feed, il faut le buter. Il est level 14, il est niveau 14, ce qui est juste complètement taré. Et là, bon, on a Dark Phoenix qui tombe sur le damage overtake de Fizz, pardon, et maintenant, dès que Nidalee arrive dans le fight, il n'y a plus aucun cooldown. C'est évidemment le tapis rouge qui ça déroule directement. Tout à l'heure Westdor, hein, dans l'interview post-game justement, peut-être qu'il nous reparlera de ce move un petit peu agressif qu'il nous aura fait. Agressif, pas idiot, hein, pour un Fizz, mais qui nécessite un Zonia. Ça, il n'y a pas de... Et il l'a maintenant, justement, voilà. Son Zonia, les bottes de lucidité, le Lane. Il est très très bien dans sa partie 206 CS. En plus, il est remonté un petit peu l'assist, hein, par rapport à Syndra qui n'a pas encore son Rabadon. Attention, Holy Phoenix dans une très mauvaise situation. On n'a pas le flash. Ah, du coup, Fizz, ça n'a pas touché. Dommage, parce que ça peut toucher sur le vol. Justement. Ouais, ça peut toucher. Il aurait peut-être pu gap close en mettant son Q-spell, mais bon, il prend le risque de se faire Buster Shot. Crystal qui s'avance peut-être un peu trop. On n'avait pas pris la vision du côté de Green Team, du côté de l'équipe singapourienne. Un petit Q-spell pour essayer d'avoir la vision justement sur l'équipe adverse, mais on ne l'a pas. Pride sur un bottom lane, comment ça se passe? Et bien on a 50 CS d'avance du côté de cette Nidalee qui est plus que très bien. Giant Bell, Megatron qui ont été achetés, le Kha'Zix, Ex-Drinker, une pioche. Nous sommes partis sur le Last Whisper, on est à 1-0-6, hein, tout de même du côté de Naz, qui est plutôt discret mais qui est toujours exploité pour bon moment. Il a une très bonne utilisation de sa force de dépush. Voilà, il rentre dans des trades, non pas comme un jungler Kha'Zix qu'on peut voir en ranked solo où il latte sur un fight, sur un 2v2, sur un 1v1, il essaye de faire pencher la balance. Non, il va directement en format team fight. Oh, il est parti, Green Team, personne n'a pris la lanterne et pourtant ils vont pouvoir concrétiser le kill. Normalement, Crystal qui essaye de s'en sortir, c'était un petit peu compliqué. On a dû craquer le flash pour pouvoir s'échapper de cette mauvaise situation. Ça a été pas mal engagé quand même de la part de Thresh. Malheureusement, c'est pas que personne n'a pris la lanterne, c'est que la lanterne a disparu. Ah oui. Ah, c'est... Un miscom un petit peu du côté des équipes HQ. Pas assez rapide à prendre la lanterne, j'imagine. Parce que là, c'est pas vraiment le rôle de Thresh de temporiser sa lanterne lorsqu'il est sur un move aussi agressif. Oui, d'accord. Évidemment. Il fait un très bon travail de zoning, je trouve, mais
C'est vrai que le buff Nashor à la 25e, vu la composition des AHQ, c'est complètement présomptueux. C'est un peu compliqué, on est en face d'une Syndra, d'une Nami. Alors oui, attention, on a une grosse vague qui pourrait faire chambouler tout ça. Fabulous sur la bottom lane, un level d'écart par rapport à la ligne d'allié. Et il arrive à s'en sortir tout de même. Il s'en sort, mais il perd sa lane petit à petit. Il ne meurt pas, certes. C'est tout meurt. C'est sustain Maokai. Voilà, c'est sustain Maokai. Il a une grosse force de dépush, mais malheureusement, ça ne préserve pas contre une Nidalee qui s'avance, qui met 2-3 auto-attaques sous buff brillance sur une tour, et qui la prendra quoi qu'il arrive à un moment donné. Ça ne régénère pas les tourelles extérieures. Il y a seulement les tourelles Nexus qui régènent. Allez, le troisième dragon du côté de l'équipe AHQ. Il devrait être gratuit celui-ci aussi. Wow. Et on devrait peut-être dépasser les 10 000 gold de différence entre les deux équipes maintenant. On essaie de s'en sortir hein, face à cette Nidalee. Regardez ce dragon, voilà, complètement gratuit. 9 800 gold d'écart maintenant. Et on a West franchi. Dor, qui va partir sur un bâton du vide ou quelque chose comme ça, et qui est très très bien dans sa partie. Il peut partir DFG, il peut partir vraiment sur n'importe quoi. De toute façon, il a suffisamment de dégâts. Ils vont se regrouper, ça va être une nouvelle tour, et ça va être compliqué même de défendre peut-être la T3 hein, du côté des TP. Voilà, ils ont même pas besoin de se regrouper de la manière la plus propre qui soit. Ils ont juste à attendre que leur speed pusher se mette devant une tour avec un bon contrôle de wave. Ensuite, ça décale en rotation, transition. Il y a les teammates qui add sur la tour qui est un petit peu assiégée. On prend la tour, on progresse. On prend toutes les tours extérieures, on est à 5 tours, il en manque une seule, c'est la T de top lane. Et ensuite, bah, on siège tout simplement à 4 sur une tour et à 1 sur une autre. Nidalee va prendre petit à petit, il va y avoir ce genre de danse à gauche à droite. Les Dark Passage qui, ils n'ont pas le dépush nécessaire. Ils n'ont pas ce dépush dans un format 4-1. Ils ne peuvent pas contrôler cette Nidalee, donc il va falloir trouver d'autres solutions, peut-être plus radicales, justement pour la détruire. Stun long range, un bon insect play qui passe, ce genre de choses. Mais s'il laisse la partie justement suivre son cours sans prendre vraiment de risques, ils vont la perdre, c'est sûr. Les HQ, GPL, justement, on ne savait pas trop à quoi s'attendre par rapport à leur niveau de jeu avec cette première partie. Est-ce qu'on peut déjà s'imaginer un petit peu le niveau de jeu qu'ils pourraient avoir contre d'autres équipes contre elles ? Est-ce que tu les as sentis plutôt pas mal dans ce début de partie justement ? Pas vraiment, pour être tout à fait franc. Dark Passage, c'est une équipe qui évolue sur notre ladder. Enfin, c'est une équipe de Turquie, bien sûr, mais qui est aussi challenger en team V-team sur notre ladder, qui n'a pas de résultat vraiment impressionnant. Notable. Qui se fait battre par des équipes challenger que nous connaissons. Certainement du Sparta, du Premier Rencontre, etc. Des screenshots de qui tournent. Donc, c'est pas une équipe, on va dire, qui a une histoire derrière elle ou vraiment ou attention tout de même, on va peut-être pouvoir concrétiser un kill. Très belle vague de la part de la Nami. On a fait un beau bait. Oli Phoenix qui va peut-être prendre ce kill, ça sera bon hein, grâce à l'ultimate. C'était un petit peu tendu tout de même. On avait flash hein, du côté de la Nidalee pour essayer de s'en sortir. Maintenant c'est Touch qui se fait prendre la partie. Westdor qui est là, on a craqué tous les sorts d'invocateurs pour pouvoir s'en sortir. Pendant ce temps là on prend la tower T2 top lane du côté du Lucian, du Thresh et du Kha'Zix. Ça a coûté une tour. C'est plutôt pas mal du côté des HQ en global, mais on est quand même mort du côté de Pride. On est quand même mort effectivement, et ça a coûté très 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 cher de tuer cette Nidalee. Ça va certainement leur coûter le prochain teamfight, parce que plus d'exhaust, plus de flash sur le support, plus de flash, plus de heal sur le Karyade qui va être un petit peu focus par ce Fizz. Et en plus on a le flash hein, du côté de Westdor. On est très, mais alors très loin d'imaginer avoir une Banshee. On est très très loin d'imaginer avoir une QSS. Donc là j'ai envie de dire Tristana, par ce move, par ce kill qui a récupéré cette Nidalee, a signé en fait quasiment son arrêt de mort. Va falloir faire de la magie pour le prochain teamfight. Mais ça va pas être prenable, mais en plus ça va être un teamfight beaucoup plus important qu'un solo kill sur Nidalee, puisque ça a plutôt l'air de se diriger vers le Nashor. Et en tout cas il faut se dépêcher, parce que sinon on va y avoir le split push de Nidalee qui va revenir. Recommencer. Et donc du coup ça va être vraiment une catastrophe. Regardez, elle est vers la première tour bottom lane. C'est maintenant ou jamais, j'ai l'impression, pour mettre une petite agression, que ce soit sur un middle lane pour essayer de prendre la tour, ou en teamfight tout simplement. On pourrait avoir la supériorité numérique là. Voilà, on a la supériorité numérique sur le côté de la map. Il faut un pick instantané qu'il dépop. On a une Syndra, c'est fait pour, on a un Lee Sin, c'est fait pour, pick aussi, une personne un petit peu isolée, voilà, kick, dash ward, hop, re-kick. Il faut en fait qu'il y ait une supériorité numérique définitive avant que Pride arrive à lâcher son téléport. Parce qu'une Nidalee, on peut vous dire, de temps en temps, voilà, c'est pas efficace en teamfight et compagnie, patati patata, mais dans cette composition-là, et contre la composition de Dark Passage, avec plus de 10 000 gold d'avance d'ailleurs, une Nidalee qui a dans votre fight avec Triforce, vous inquiétez Mercury, pas, elle va bien s'en sortir.
Nidalee va faire un carnage. Totalement. Si les autres n'ont pas déjà fait un carnage, parce que le fils dans cette à condition de santé là, regardez le Lucian, un BRK statique IE, il va faire très très mal aussi pour le prochain combat. Je pense qu'il veut Void Staff, qu'il veut économiser les 1600 partir sur DMG, le fils. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de résistance magique du côté Dark Passage, pour ne pas dire aucune sur le Karyadé. Donc là, s'il n'y a pas d'exhaust. Et s'il y a un DFG en plus, hein, on n'a pas de flash, comme tu disais, côté de la Tristana. C'est instantané. Holy Phoenix dépoperait directement. De toute façon, il y a un exhaust, c'est pour le Q-spell de Fizz, pour pas qu'il mette Lich Bane et compagnie, sinon c'est le décès instantané. L'exhaust revient très très bientôt. C'est une énorme bonne nouvelle pour les HQ. Par contre, là, on a Christelle qui risque de se faire un peu cash. Attention, Grab, il l'avait mis sur la ward. Hein. Il l'avait complètement mis sur la voie. Ah, c'était bien prévu hein, de la part de Green Tea, encore une fois. Un petit peu moins actif comme partie. On est en train de se regrouper autour de Nashor. On a envie, bien sûr, de le faire pour sécuriser à la suite de la game. Il n'y a plus aucune tour hein, extérieure de disponible du côté des HQ. Attention, le grab qui touche encore une fois sur Crystal. Le flay, l'ultimate de la part du Thresh. On n'arrive pas à esquiver la vague. Cependant, évidemment, c'était plutôt compliqué vu le couloir dans lequel on était. Naru qui se fait complètement prendre la partie. Le Zonia, Nas qui finit le kill. Et puis après, ça va être la boucherie tout simplement. Oh, regardez Westdor qui vient d'arriver avec un flash in très bien joué, double kill récupéré du côté du mid laner HQ, très très bien joué. Ça va suivre sur un Baron Nashor et peut-être sur un inhibiteur sur une fin de game. Certainement Baron Nashor back siège game. Voilà, ça pourrait commencer à se passer. Peut-être s'ils ont un petit peu faim, ils peuvent passer un petit peu par le dragon, mais je pense que les Dark Passage ont envie de prendre ce dragon quand même, histoire de se donner un petit peu de confiance. On voit Maokai ici en train de s'y diriger. Malheureusement là, c'est le call parfait pour Prize justement, la Nidalee, de descendre sur ce dragon et de faire qu'est-ce que vous faites ici? Bah alors, c'est chez moi. Elle va se faire plaisir. Cette Nidalee, regardez justement, en plus il y a Thresh qui est en train d'arriver, Crystal qui est en 1v1 contre le dragon actuellement, qui avait positionné une petite ward pour avoir la vision pour pouvoir aller tout simplement dans l'antre de celui-ci. Et ça va être plutôt au HQ sur Drake hein, qui auront fait tous les drakes de la partie au final. Complètement. Il n'y a même pas besoin de faire une tentative de pas smite steal. Pas de contestation possible. Pas de contestation possible, pas de contestation réalisable non plus. Même, sauf avec le Pikmin, je dois avouer. t'avais oublié le Pikmin. Il y avait moyen de marquer un but. On revoit ici le replay de ce fight si déterminant. On n'a pas réussi à éviter la wave, comme tu l'as dit, mais bon, on l'avait évité quand même dans mon âme. Et là, les dégâts de Fizz. Et hop, le Zonia directement à l'atterrissage pour temporiser le souffle stun. Et là. Ah, le flash de la part de Westdor, le Q-spell juste après, on revient en E sur la fourchette et on rebondit sur un ami pour prendre 2 kills d'affilée, 5-1-5 du côté de Westdor. Il est sur 10 des 14 kills de son équipe, il vient d'acheter Bâton du Vide, il vient d'acheter la grosse baguette. C'est encore une fois un autre poisson qu'on va voir pour le prochain teamfight, un poisson qui va mettre du 100% sûrement. Pas sur ce fight là. Pas sur ce fight là. Exhaust. Et l'exhaust est certainement pour lui, je pense. Je pense aussi. Je pense aussi, c'est vrai. Je pense aussi. Toujours pas de négatron. Il est un problème quand même, le Fizz, dans cette game. Un gros problème. Là, bon, ça sert plus à grand chose de partir sur de la résiste magique flat. Vous savez, ce fameux timing négatron sur les AD carry pour éviter de se faire instant par des ultis rang 2, etc. Là, déjà, un, on a un ulti rang 3 hein, pour le poisson. Et deux, bon, il y a déjà Void Staff. Donc, ça vaut pas le coup de péter 720 gold pour de la magic resist qui va être déjà anéanti à 35%, et Dieu seul sait quel genre de rune il est en train de run. On attend juste la concrétisation actuellement de cette partie où le ZKF fait énormément de dégâts sur Touch qui arrive à s'en sortir même s'il y avait un culling sur lui. C'était compliqué hein, du côté de l'Anami qui est obligé de revenir à la base à la fontaine. Pendant ce temps-là, Pride est sur un bottom lane, le Fizz est sur un top lane et on est 3 du côté des HQ à pousser cette middle lane. On essaye de du 1-3 hein, finalement. On essaye de faire écrouler un petit peu toute l'infrastructure tous ensemble sur toutes les lanes en même temps. On essaye de créer le désordre. Ouais, ils nous font un push un petit peu à la Fnatic. On profite du proc Lich Bane et du fait que Fizz soit un peu fort dans cette partie. Proc Lich Bane aussi, hein, proc Triforce du côté de la Nidalee. Et Nidalee bien sûr qui roam beaucoup plus rapidement, qui pose des trappes, qui donne la vision, les javelots, sa peau quand même, etc. Les soins. Et on repart pour la prochaine wave pour raser. Je les trouve assez organisés dans leur push. Ils ont l'air d'avoir affronté pas mal d'équipes qui turtle. Les HQ se sont dit non, c'est bon, la solution on connaît maintenant.
pour un mec. Oh, ici, et on a pris l'agression sur Fabulous directement. Maokai qui ne pourra pas s'en sortir. C'était du 1v1 et il a implosé ce Maokai. Lorsqu'un Maokai meurt en 1v1 contre un Fizz. Oh, le grab de la part de Green Tea, il ne réactivera pas. C'était un petit peu présomptueux tout de même d'aller sous la tour directement, même si on était en 5v4 sans Maokai, sans tank au final dans l'équipe Dark Passage. Le stun qui n'est pas passé. Le stun qui n'est même pas parti. On n'avait pas de boule. Hein. On n'avait pas de boule, effectivement. Le stun qui n'aurait pas fait grand chose, je pense. On n'a pas encore le voice staff sur Naru. Il a un bon farm, Naru, quand même. Il est quasiment 17 minutes, mais c'est une des seules forces de dépush de son équipe. Hein. On dépush à la bulle de Nami. C'est vraiment la catastrophe hein, du côté de l'équipe turque. Attention, un Q-spell qui a été mis du côté du Lee Sin. Lee Sin 0-2-2 actuellement cette partie. On l'aura pas forcément beaucoup vu nous non plus, comme les autres joueurs à Dark Passage. Attention, l'agression de la part de Price qui arrive à éviter la bulle. C'est très compliqué pour lui. Il n'arrivera pas à s'en sortir sinon, oui. Oh my god! Et c'est incroyable! Il arrive à se sauver. Et pendant ce temps-là, ses coéquipiers finissent le travail avec un kill récupéré de la part de Kha'Zix. Attention, tout de même, le fils qui s'est fait des pop de la part de Olefinix et Naru. Et c'est un double kill, j'ai l'impression, de la part de Olefinix. Le triple, le quadra aussi qui est récupérable. Ah oh, non, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Tout de même, du côté de la Tristana qui a réussi à prendre 3 kills. 6-3-1 du côté de la Tristana. Est-ce qu'on a un espoir tout de même? Non. Non, non, non. Il va en falloir un autre comme ça encore. Deux. Ou deux. Il y a peut-être ville. Deux. Ouais, ouais, deux. Peut-être deux. Trois. Un petit Nashor. Un petit Nashor, ça pourrait faire plus. Dans le sens où ça s'est très bien passé, c'est pas vraiment que Tristana puisse prendre des kills. Bon, on revoit le fight justement. Bon, là, on a Pride, bien sûr, qui part totalement en manque de respect. Plomb. Mais qui finalement s'en sort avec un heal qui passe pendant les 10 vertis qui se prenaient dans la tronche. On a plus d'ultimate de la part de la Syndra, beaucoup de choses ont été claquées. C'est Garnet pensait... et Heal qui fout le bordel. C'est, il va prendre le 1v1 contre une Tristana qui est sous sa tour et qui a une BT. Donc qui a une force de sustain qui est extraordinaire. Bon, après, on peut parler de voilà chance, du crit, etc. Non, il n'est pas en static shield. Il est en phantom dancer. Dancer phantom on IE. On a plus de chances de faire un crit de ne pas le faire. On est à 50-55, je sais plus. C'est 25 et 30. 50, on est à plus d'un sur deux. On est à 55% de chance de crit. À un moment donné, il faut s'attendre à se les prendre dans la tronche sur un trade à 2-3 auto-attaques. On a un last whisper maintenant quand même du côté de Green Devil. Est-ce qu'il n'y a pas d'espoir quand même du côté des Dark Passage? Qu'est-ce qui a glissé? C'est tout simplement le go-in de la part de Price ou c'est la composition au final qui s'essouffle un peu quand même parce qu'on a une composition plutôt teamfight du côté des DP? Ils auraient pu terminer cette partie sur le fight d'avant, mais Garnet, donc Lucian, a décidé de partir sur la Tristana sur la T1 bot au lieu de partir sur Nami et Lee Sin qui était déjà quasiment mort, hein, évidemment, qui était à 50%, qui venait de tout claquer pour empêcher Fizz de les buter. S'il avait directement glissé sur eux, bon, pas de problème, un petit coup de roller, auto-attaque, hop, c'est bon, suivant. Tristana, bon, après, quand elle est en 4v1, elle fera pas grand-chose. Là, ça a été vraiment très, très, très confus, en fait. Il y avait Maokai aussi présent, éventuellement, pour défendre. Il n'y avait aucune raison de partir sur cette Tristana, du moins pas avec un Lucian en première ligne. Ah, on avait envie de finir un peu trop rapidement du côté des HQ. On avait de finir un peu trop rapidement, on pensait aussi, pourquoi pas, la D-pop avec une bonne rota, avec un statique, histoire de faire un truc... hyper spectaculaire et être célèbre sur Reddit, etc. et en Amérique. Je vois ce que tu veux dire. Genre de choses, quoi. On tente des trucs. Et on est en train de zoner avec le culling de la part de Lucian et on voyait Thresh en train de fouetter l'inhibiteur. Belle défense de la part du carré D sur son support. C'était plutôt joli à voir. Deux inhibiteurs en moins, bientôt le troisième avec la Tower Bot qui devrait bientôt tomber. On voit la Nidalee qui est face au Maokai et qui devrait être en train de mettre des auto-attaques hein, justement sur cette tour. Comme tu le disais avec le proc Brillance tout à l'heure, ça tombe eh bien plutôt rapidement. On va se coupé du côté des HQ, dernier teamfight peut-être et sûrement de ce match numéro 3, premier grab sur FabFabulous, level 17. Il a claqué son ulti. Et pourtant il prend. Il a claqué son ulti, donc ça dure que 10 secondes, patch 4.14 je vous rappelle, que celui des Worlds. Et voilà, c'est down maintenant, comment on fait? Et le fisc attends, toujours... ça dure que 10 secondes, 4.14, ça doit être ça je crois. Et le fils pas toujours en train de push avec les Megasbir. On a envie de partir hein, du côté des HQ. Il y a le Baron Asher qui est live actuellement. Il y a le Drake aussi qui est live. On a envie d'acheter les derniers items, d'être level 6 sur tout, level 6, 6 slots sur tout le monde. J'ai l'impression. On a envie de rigoler un petit peu avec ces nouveaux objets. Ah bah qui rigole pas trop parce que si jamais il reglisse, Tristana va avoir un item défensif et. Tristana late game, hein. Elle a tout. Oh, attention, Tristana late game, justement. On va voir comment ça va se passer. Olefinix qui se fait complètement dépop. L'exhaust pourtant qui avait été positionné. Wesdor qui a toujours son Zhonya. Attention, il le garde pour l'ultimate de la Syndra. On continue avec Green Tea. Attention, le dépop. Il est là, il est maintenant. La Nidalee qui prend le kill, c'est Price sur Naru.
à 2 en moins, les deux carrés, ça va être impossible. Hein. La mission du côté de HQ, et on est elle est plutôt easy peasy maintenant. Une wave carrément pour essayer de s'enfuir. Il touche bien quand même, touch. il a un bon move. Hein. Peut-être parce qu'il a pas de jambes. Oui, il zouk bien. Il zouk très très bien. Malheureusement, la personne qui a zouké le plus, c'est Tristana. Et elle a zouké vénère, elle est même morte sous le feu d'un fizz exhaust. Ah, elle est donc à moins 40% de dégâts. Les personnages aquatiques, hein, ça fait des dégâts. On sent bien. Dernier coup de fourchette sur le Nexus. Nous avons le victorieux, nous avons la victoire dans les mains des AHQ. Epic Gear, leur sponsor, ils ne sont pas très étonnés de cette victoire, j'ai l'impression. Ils jouaient contre l'équipe qui est rentrée dans le tournoi grâce au tournoi Wildcard. On vous le rappelle, hein, c'était un tournoi composé d'équipes russes, d'équipes d'Océanie, d'équipes de Turquie, justement comme les Dark Passage, ils ont réussi à se qualifier. Un tournoi qui était d'un niveau assez moyen, c'est ça que tu nous disais justement en début de match. D'un niveau moyen, c'est très... Pour le haut du panier, évidemment. Voilà, c'est très subjectif quand même de juger quelque chose comme ça, mais si on les porte sur une échelle mondiale, bien sûr, oui, on peut utiliser le mot niveau moyen, clairement. Quand on est justement face à ces équipes coréennes, face à ces équipes chinoises, c'est compliqué. Européennes aussi, on n'oublie pas. Nord-américaines aussi, on n'oublie pas. On n'oublie pas la maison. Et même l'Occident. On va gagner des games quand même dans le championnat du monde. On a déjà gagné une. Non, on a perdu. Non, il va falloir gagner des games contre les Coréens. Et je pense que les SK Gaming, ça va pas être eux qui vont mettre notre total de victoire. C'est triste, c'est triste ce qui leur arrive. C'est vraiment triste. Ça me fait de la peine. Ah, ça nous fait beaucoup de peine. Troisième match d'aujourd'hui, c'était donc HQ contre les Dark Passage. On va transitionner sur l'interview normalement de Westdoor, midlaner, donc des HQ qui nous a joué un fizz aux petits oignons dans cette partie. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, personnellement, au niveau des mécaniques, au niveau de son positionnement, de son placement, de ses décalages, justement, durant toute la game? Est-ce qu'il a vraiment porté son équipe? C'est lui un petit peu le MVP de la game? C'est difficile à dire quand même. Je sais pas si je mettrais vraiment un MVP, on va dire, si on compare sur le niveau de jeu qu'on a eu jusqu'ici et qu'on va potentiellement avoir, par exemple avec le prochain match TPA contre Starhorn et enfin celui d'après Samsung Red contre HQ et enfin le dernier Starhorn contre TSM. Putain, il les connaît tous par cœur. Contre TSM. Le spécialiste. On va avoir de belles choses qui vont se passer quand même aujourd'hui et... Il y a eu pas mal de faux pas quand même. Est-ce que c'était le match le moins intéressant justement, peut-être, de la journée? Pas en termes d'intérêt, le match le moins intéressant c'était celui entre TSM et SK Gaming bien sûr, sur Ender en 25 minutes. Celui-là n'était pas inintéressant. Mais ça nous a permis de jauger un petit peu le niveau aussi de ces deux équipes. Mais on a senti que c'était plus hésitant quand même au niveau des... Au niveau des go-in, au niveau de la communication d'équipe, le fils qui go-in, fourchette en avant, qui pourtant n'a pas de Zonia, derrière ça ne se supporte pas côté Dark Passage, le millénaire qui décale pas non plus. S'il y a un joueur qui a été en haut du panier, j'imagine que c'est Fizz, bien entendu, mais pas sûr. Bah, il a on a vu une très bonne botlane aussi hein, du côté des HQ. Ils étaient sur 9 des 10 kills de la partie à un moment donné, alors que le Fizz c'était sur 4 ou 5 kills justement. Ils ont bien géré justement ce swap de lane qui avait été mis en place de la part des DP. Voilà, si je devais vraiment mettre un most valuable player, joueur qui a été le plus efficace pour son équipe, je mettrais plutôt Thresh en fait. Green Tick a été très bon hein, sur ses grabs, sur les agressions, sur la bonne top lane, etc. Les grabs aussi, bon, des fois des moves un petit peu parachutés, des grabs lanternes, etc. Le flash qui avait été aussi pas trop mal justement pour un objectif pour le Nashor. Lanterne flash dans rien, par exemple. Tu vois, les mecs l'ont pas suivi, ils ont pas eu believe, qu'est-ce que je te dise. Il a voulu enflammer un petit peu la salle de spectacle, ils ne l'ont pas suivi. Allez, on va basculer dans l'interview avec le midlaner des... Ça va être compliqué. Tu n'as pas le son, cher Twix? Ah si, je l'ai. Bon là il parle une autre langue. Désolé, j'ai pas entendu la première question. Qu'est-ce qu'il dit là? So their bans were like Alistar and Zilean and Riot. So they want to make sure their assassins were okay. Donc là il parle de son propre game, donc no ban c'était Alistar, Zilean, Ryze. Ils voulaient être certains que leurs assassins sélectionnés étaient bien dans leur phase de lane. So does that relieve your pressure a little bit?
Alors en venant dans ce match, tout le monde disait que c'est Westdoor qui allait carry ce match-là. Maintenant que ton équipe a step up, est-ce que tu es rassuré? The truth is, my team carries me. Apparemment, il a dit un truc. They give me the environment to shine. Well, fantastic. We did see that here in that first game, but la vérité c'est que tough group for you guys. Some very strong competitors. A game upcoming versus Samsung c'est White, beau. Which is of course a whole another beast. How do you think that one's going to go? C'est bon. Alors votre prochain match sera contre les Samsung White. Qui sera d'un autre calibre. Qu'est-ce que tu penses? Comment va se passer ce match-là? Comment est-ce que tu l'abordes? Well, so are we, Westdoor. Finally, here in front of a home crowd, is there anything you want to say to? Je suis impatient. I'm looking forward to it. Ça, c'est sympa. Est-ce que tu veux dire quelque chose aux fans et à la foule qui sont présents à te regarder sur place et à la maison? We welcome out the group of death. We welcome out the group of death. Il a dit un truc cool apparemment. Job here. Congratulations. Thank you very much. Right, now let's throw it back over to the guys at the desk. On va sortir du groupe de la mort. Alors, qualificatif très curieux pour lui, ce joueur, ce midlaner des HQ qui estime que le groupe A est le groupe de la mort. Non, ce n'est pas le groupe de la mort. C'est le groupe de la mort quand tu as Dark Passage. C'est le groupe C. Ton groupe. Une chose à noter quand même qu'on n'avait pas noté, c'est qu'ils sont à la maison tout de même, ces joueurs HQ. Ils sont à Taïwan, ouais, mais il y a quand même alors, eu. À la maison, dans leur région. Dans leur région, voilà, il y a quand même eu de la traduction de la langue que parlait Westdoor. Bon, j'ai aucune idée de ce que c'est. Vers la foule, donc, qui doit parler taïwanais. Ça doit être du breton. Breton, du breton, ouais. Il est breton. Choup, achnoup, achnoup. Ah ouais, c'est ça, les galettes, tout ça. Ça doit être ça, je pense. Donc, c'était traduit en breton. Juste après pour le petit débrief avec les replays de cette dernière partie HQ contre Dark Passage, le prochain match, Twix, ça sera... J'ai complètement oublié. Non, je déconne, bien entendu. Ce sera les... Star Horde. Ce sera les Star Horde Royal Club contre... Les Dark Passage. Peut-être. Sur la Eclipse TV. Nous espérons que vous avez fait un agréable voyage et que nous aurons bientôt le plaisir de vous revoir sur nos lignes.